Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, petite vidéo sur le ramassage et la congélation de mon persil. J'en ai déjà fait une première récolte. Donc en persil, j'avais pas mal de persil. Voilà. Et là, je ramasse le reste. Pour faire des bouquets comme ça que je vais laver avec l'eau de mon récupérateur. Et je sais pas si on verra bien, si, avec l'eau de mon récupérateur. Et après je vais broyer en assez petits morceaux pour pouvoir les congeler et les garder tout l'hiver. Voilà, donc c'est parti. Donc voilà, il reste pas grand chose dans le. Je vais prendre la caméra. Il reste pas grand chose dans le potager. Hein. Il n'y a plus de persil. J'en ai déjà fait une première tournée, congelé une première tournée. Et voilà, là je vais avoir deux bouquets que je vais ligaturer, laver avec l'eau des récupérateurs. Faire sécher. Aujourd'hui il y a du vent, du soleil, je pense que ça séchera rapidement, et ce soir le broyer pour le congeler. Voilà, je vous reprends après. Donc là j'ai fait deux bouquets, je sais pas si on verra, j'ai fait deux bouquets et un troisième tout petit que je vais laver à l'eau de pluie. Je repasse l'état parce que là tout s'est barré. Allez, je vous reprends après. Donc voilà, j'ai mis le persil à sécher au vent. Là il fait bon. Bon, je touche pas trop parce que ça se casse tout la gueule. Et mes deux poules là, mes deux belles poules là, sont belles, hein. Les deux belles poules vont le manger. Alors, je sais pas si ça leur fera du bien. Mais voilà, là c'est asséché. Et après je vais couper ici, là au niveau des tiges. Enfin même pas, hein, couper au niveau plus bas là, enfin plus de ce côté-là. Non, non, non. En fait je vais couper là et je vais tout broyer. De toute façon, je pense que ça se bouffe quand même. Ouais. Ça a le goût de persil, donc ça passera à la broyeuse. Voilà. Allez, je vous reprends après. Je vous ai évité la séquence hachoir, hein, et les deux bottes que j'ai hachées là. Et ben, ça donne ça dans une poche. J'essaie de pas en mettre partout. Ça donne haché comme ça, voilà. Là, ce que j'ai récolté aujourd'hui, sans les tiges, il y en a 56 grammes. Et ça, je viens de le sortir vite fait du congélateur. Hein, et il y en avait 162 grammes. Hein, vous voyez, ça reste quand même congelé, ça reste très friable. Donc, terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour ma part, je dirais comme à chaque fin de vidéo, faites attention à vous, à votre famille, à vos proches, à vos enfants. Faites attention aussi à vos animaux domestiques et à tout ce qui vous est cher. Voilà, restez attentifs et vigilants. Merci pour les nouveaux abonnés. Merci pour vos commentaires et à plus sur ma chaîne. Ciao, merci.